Les Russes ont réussi une percée massive du front. Au sud, l'ennemi a pris Zossen et avance sur Stahnsdorf. Dans le secteur nord de la ville, il se trouve entre Frohnau et Pankow. À l'est de Berlin, il a formé une ligne Lichtenberg-Malsdorf-Karlshorst. Voilà. Avec l'offensive Steiner, vous verrez que tout rentrera dans l'ordre. Mon Führer. Steiner. Steiner n'a pas pu réunir assez d'effectifs pour une offensive. L'assaut n'a pas eu lieu, mon Führer. Je ne veux plus dans cette pièce que Keitel, Jodl, Krebs et Burgdorf. Vous êtes là pour m'obéir! L'attaque du groupe Steiner était un ordre, et qu'est-ce que vous faites? Vous décidez de passer outre? Mais qui êtes-vous pour oser contrevenir à mes ordres? Mais comment est-ce qu'on a pu arriver là? L'armée m'a menti! Calme-toi, Gerda. Tout le monde m'a menti, même les SS! La totalité de mes généraux n'est qu'un ramassis de lâches, de traîtres, de moins que rien indigne de ma confiance. Mon Führer, je ne puis vous laisser insulter des soldats qui sont morts pour vous. Ce n'est qu'une bande de lâches, de traîtres, des bons à rien. Mon Führer, je refuse d'écouter de telles horreurs. Des excréments. Les généraux sont les excréments du peuple allemand. Ils n'ont aucun honneur. Ils ont le grade de général pour avoir passé des années à l'académie militaire à apprendre les bonnes manières, uniquement pour savoir comment on doit tenir son couteau et sa fourchette. Pendant des années, l'armée ne fait que me mettre des bâtons dans les roues. Elle a toujours été contre moi. Elle n'a jamais apporté son soutien à mes stratégies. Il y a des années que j'aurais dû faire le nécessaire. Il aurait fallu liquider tous les officiers supérieurs depuis longtemps. C'est ce qu'a fait Staline. Jamais je n'ai fréquenté d'académie. Et pourtant, j'ai réussi à construire un empire à moi tout seul. J'ai conquis l'Europe sans l'aide de personne. Tous des traîtres. Depuis le début, tout le monde m'a trahi. Tout le monde m'a menti et m'a manqué de respect. C'est une trahison insupportable envers le peuple allemand. Mais tous ces traîtres vont payer. Cette infamie, ils me la paieront de leur propre sang. Je veux qu'ils crèvent, qu'on les saigne à blanc comme des porcs. Les ordres tombent dans l'oreille de sourd. Comment voulez-vous diriger un pays dans de telles conditions? Tout est fini. La guerre est perdue. Si vous imaginez pour autant, messieurs, que je vais fuir Berlin devant les Russes, sachez que vous faites erreur. Je préférerais encore me tirer une balle dans la tempe. Faites ce que vous voudrez.